En dehors du besoin de fonctionner pratiquement, fonctionner dans la vie quotidienne, matériellement, en dehors de ça, qu'est-ce que la pensée? La pensée est utile pour fonctionner. Si tu dois apprendre à parler langage, tu as besoin de retenir et pouvoir le réitérer pratiquement avec beaucoup d'efficacité ou pas. Mais en tout cas, la pensée, elle sert à réitérer les choses que l'on apprend pour pouvoir les répéter, pour pouvoir les restituer. Et la vie de la pensée, en fait, c'est ça, c'est d'apprendre et de pouvoir améliorer le quotidien par ce qu'il a appris. Par exemple, tu vois, au temps de la préhistoire, l'homme de Cro-Magnon prenait une pomme avec sa main et il a compris que ce mouvement, qui est un mouvement que la pensée lui dicte, il lève la main, il prend la pomme, et quand il a pris la pomme, eh ben, il a accompli quelque chose pour soi. Donc il y a une mémoire qui s'établit là, et la prochaine fois, il revient pour faire la même chose. Mais la pomme, elle se trouve un peu plus haut. Donc, il réfléchit, la pensée lui donne le pouvoir de comprendre qu'il lui faut peut-être prendre une baguette et taper sur la pomme. Et la pomme tombe et il la mange. Et celui qui est satisfait, ben, c'est le corps qui était en demande d'un besoin de manger. Toute cette activité crée dans la psyché un centre d'intérêt qui cherche à être satisfait constamment. Constamment. Il a besoin de se satisfaire pour pouvoir exister. Et la pensée est l'origine de cet instinct qui fait que on va progresser pour pouvoir exister plus efficacement. Jusque-là, la pensée, elle est utile. Nous avons besoin de cette pensée, nous avons besoin de réfléchir, nous avons besoin d'apprendre, puis de réitérer, mais ce n'est qu'un mouvement dans le temps. C'est-à-dire qu'on est dans le passé, on fait des choses, on se rappelle de ce qu'on a fait, et puis on emmène tout ça dans le présent. Dans les présents, on concocte toute cette façon d'avoir réitéré les choses et on comprend quelque chose en plus et on envoie tout ça dans le futur. Donc tout ce temps, c'est égal à la pensée. La pensée, c'est le temps, elle vit dans le temps. Cette pensée matérielle qui nous fait vivre à chaque instant. Maintenant, il y a la pensée que nous utilisons comme ça pour pouvoir nous améliorer, et nous croyons aussi qu'elle a la même efficacité dans la psyché. Par exemple, je suis en colère, donc je vais faire en sorte que je ne sois plus en colère, et là tu utilises la pensée va améliorer ton état d'être, c'est-à-dire tu es en colère, tu vas faire un peu de méditation, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas imaginer tout ça. Et en fait, tu penses que c'est par ce biais que tu peux ne plus souffrir d'être en colère. Mais en tout cas, jusqu'à la prochaine occasion, tu te remets en colère. Et en fait, ça se répète tout le temps. C'est-à-dire que la pensée va faire des choses, mais en fait, ça ne va pas éradiquer le problème de la colère, mais ça va pacifier le problème de la colère. Mais pas éradiquer
ce qui se joue vraiment en toi. Or, ce qui se joue en toi, c'est quelque chose qui existe et que tu ne peux pas, avec la pensée, faire en sorte que tu puisses apprendre comment tu es toi-même, comment tu es, qui tu es. La pensée ne peut pas te le dire, puisque c'est un mouvement hors du temps. Il n'y a pas le temps. Ce que tu es habite hors du temps. Donc, il y a toute une autre procédure qui n'est pas celle de la pensée et qui va t'emmener dans cette direction. C'est-à-dire, il y aura l'élan du cœur qui va vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe. On va voir, on va observer, on va comprendre ce qui se passe. Et en comprenant ce qui se passe, il y a quelque chose qui ne vient pas de la pensée, mais qui vient d'une intelligence. Et cette intelligence met l'ordre dans la psyché. Donc ta colère, elle est comprise, elle est éradiquée de ton comportement psychologique. Tu apprends que ce que tu es là n'est pas quelque chose que tu peux changer, tu peux juste transformer. Transformer pour être toi-même. Parce que ce que tu es est aussi la colère. Mais tu ne peux pas te diviser entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Donc, ce que tu es, c'est ce que tu es. Et par l'acceptation de ce que tu es, eh bien, il y a la transformation. Mais ce n'est pas un travail de la pensée, ce n'est pas une action qui vient de la pensée. L'action de la pensée, elle n'est que matérielle. Elle ne peut que réitérer ce que tu as appris pour pouvoir réagir dans les situations des moments présents où tu vis. Mais la joie, la vie, la beauté qui coule d'instant en instant ne peut pas être comprise par ce que la pensée peut mémoriser. La pensée peut mémoriser la joie que tu as eue hier, mais la joie que tu as eue hier sera dans la pensée un concept merveilleux pour lui parce qu'il va le répéter. Mais c'est un concept qui est répété. Ce n'est pas la joie qui est là. La joie qui est là n'est plus là, elle est morte à jamais. Mais ce que tu répètes, c'est le concept de ce qui a été vécu. Alors, la pensée fabrique un idéal de la vie. Il dit, c'est comme ça qu'on doit faire. Et donc, la psyché trouve dans cet idéal quelque chose de rassurant. Puisqu'il ne peut pas être joyeux maintenant, donc il se rassure qu'il sera joyeux en ayant des références qui lui disent comment c'est. Mais tout ça, c'est la poursuite du vent. C'est pour ça qu'on doit faire attention à cette pensée qui nous dicte comment la vie, elle doit être, et comment on aimerait que les choses autour de nous soient vécues. Parce que la pensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle. Elle contrôle tout ce qui n'est pas au goût du concept, qui n'est pas au goût de l'idéal que l'on se fait. Donc, ce qu'on veut, c'est vivre, de vouloir avoir une vie qui ressemble à ce concept. Et donc, on poursuit cette vie. Et l'esprit est toujours occupé avec la pensée qui poursuit l'idéal. Donc, tu as ce désir de vivre quelque chose de beau, tu veux être sublimé. La pensée te donne l'image de comment être sublimé et tu poursuis cette image. Et quand tu rencontres cette image que tu as poursuivie, eh bien, il y a une grande déception puisque ce n'est pas la réalité. Ce sera que l'image que tu as voulu être de toi-même. Donc, cette image que la pensée projette est un leurre, est une illusion dans laquelle on est prisonnier et laquelle on veut capturer pour pouvoir
l'avoir et on veut se l'approprier. Et donc, la vie durant, on s'approprie de choses qui ressemblent à l'idéal. Donc, on a des idéaux comme ben, si tu as de l'argent, par exemple, ben, tu seras heureux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la pensée poursuit cet idéal et capture l'idéal, mais ce qu'il capture n'est que le papier, l'idée de ce que c'est l'argent. Mais tu n'es pas nécessairement heureux. Tu es peut-être, tu as du plaisir de vivre, mais tu n'as pas la paix. Parce que la paix, c'est justement être en paix avec soi-même, c'est de ne plus avoir les pensées qui poursuivent quelque chose. Et l'esprit est donc paisible, il est silencieux, il s'arrête de poursuivre les choses qui sont éphémères. Et dans cette tranquillité, l'esprit a un état de bienveillance envers tout. Il ne cherche rien, il n'attend rien, parce qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit du monde matériel pour être ce qu'il est. Ce que tu es n'a pas besoin d'être inventé. Il est là. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un concept. C'est ce que tu es. Et ce que tu es est vivant d'instant en instant. Mais pour laisser couler ce vivant, la pensée doit se mettre de côté. La pensée que tu utilises pour pouvoir atteindre cet état de sublime doit être mise de côté. Et quand elle est mise de côté, c'est parce que tu as tout à fait compris que la pensée n'a aucun sens. La pensée n'est limitée dans son monde et il appartient au monde matériel. Il ne peut pas constituer le monde psychologique qui existe déjà et qui n'a pas besoin d'être amélioré ni fabriqué. Ce monde est là, c'est-à-dire la quiétude du monde qui se meut, de la vie qui se meut d'instant en instant, n'est pas à être inventé, n'est pas à être conceptualisé. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement, n'a pas de fin, et que la pensée ne peut pas cerner l'ampleur. Tout ce qu'il veut, c'est exister à travers l'image qu'il donne de la vie. Donc on se fabrique une vie, et on a une image de soi qui se fabrique à travers ce qu'on a compris. Donc on devient ce qu'on aimerait être. Et pour devenir ce que tu aimerais être, eh bien, tu fabriques l'image de toi, étant justement dans ce que la pensée propose. Donc tu te munis de l'apparence de quelque chose qui est valorisé, que le monde attend de toi, que le monde aime et qui te glorifie. Et par cela, tu es reconnu. Et en sorte, la pensée, c'est son but. C'est d'atteindre la reconnaissance d'être ce qu'il a fabriqué. C'est cette personnalité, cette image de soi qui est donc reconnue. Hors de cette image de soi, il y a un monde que la pensée ne peut pas accéder. La pensée, elle ne peut pas comprendre la dimension qui est hors du temps. Elle ne peut pas y accéder non plus. Elle est limitée, elle reste là et elle retient l'esprit dans ce carcan obscène qui se répète tous les jours, tous les jours. Donc la pensée fait que l'esprit reste attaché à tout ce qui est connu, ce que la pensée propose. La pensée propose plein de choses. La distraction de l'esprit, pour justement que l'esprit puisse rester ancré dans ce qui est matériel. Mais ce que nous sommes, en définitive, la vraie nature de celui qui est libre est dénuée de l'attachement
Il est libre. Naturellement. Il a toujours été libre. Tu regardes la vie qui se meut d'instant en instant. C'est quelque chose qui est libre, qui n'est pas retenu par quelque chose. L'arbre qui pousse et qui donne ses fruits ne dit pas « Oh, je résiste parce que j'aurai trop de fruits et mes branches vont casser si les fruits sont trop lourds. » Non, il n'y a pas de réflexion. La pensée n'est pas là. Donc tout se fait comme l'ordre naturel informe. L'ordre naturel donne le « là » pour que toute la création puisse exister sans que rien ne soit fait pour déranger cet ordre. Parce que la façon que nous faisons, nous, quand on pense, on dérange. Quand on veut, on dérange. Quand on contrôle, on dérange. On dérange cet ordre. Et ça rend le monde laid. Parce que ce que nous avons, le désir que nous avons, c'est d'accéder à ce qui n'est pas vrai, ce qui est illusion. Et donc, quand on voit l'illusion, quand on voit toutes ces choses qui sont fausses dans le monde, on est offusqué. Mais dis-toi bien que ce que tu vois dans le monde, les guerres, les gens qui meurent de faim, les souffrances terribles qu'il y a, eh bien, c'est la cause de la pensée qui est la tienne, que nous avons tous en commun, et qui crée dans le monde ce que nous vivons maintenant. Ce que tu vis, l'envie, le désir, l'insatisfaction, le désespoir, la peur, tout ça est dans le monde. Puisque nous sommes un monde de relations, et dans la relation, tout se contagie, c'est une contagion dans la relation. Et la relation fabrique le monde. Et le monde, en fait, reflète ce que tu es. Ce que tu es, c'est le reflet de toi-même. Le monde est le reflet de toi-même. Donc, à savoir comment c'est sortir de ce carcan vicieux de la pensée qui veut t'embarquer dans l'illusion. En premier lieu, il y a une observation à faire de ce que c'est la pensée, de voir l'illusion en face et de ne pas fuir cette illusion et de voir que ce que c'est un mensonge qui t'embarque à faire des choses qui créent le monde et qui créent la souffrance dans le monde. Donc, quand tu n'as plus cette pensée qui opère pour pouvoir être ce que tu aimerais être, alors, ce qui se passe, c'est que tu es prisonnier de ce que tu penses. Et cette prison, c'est la bulle dans laquelle on s'enferme tous et chacun. On se croit en sécurité. Et justement, c'est réaliser tout ça qu'il faut. Réaliser que cette sécurité n'existe pas. C'est que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous créons l'insécurité dans le monde de par le fait que nous soyons tous isolés les uns des autres. Parce que nous avons peur que de l'unité. Parce que l'unité veut dire que tu abandonnes la pensée. Et cette pensée a peur de l'unité. Elle ne veut pas que le monde soit uni. Elle veut que le monde soit divisé. Parce que quand tout est divisé, la pensée règne en maître. Et elle indique comment les choses doivent être. Et dans tout ça, quand tu as compris tout ça, ça veut dire que tu es prêt aussi à abandonner l'illusion. Tu as vu l'illusion et tu connais le mensonge. Et quand tu vois le mensonge, eh ben, il y a ce qui est vrai. Et quand tu as vu ce qui est vrai, plus rien ne peut
te faire du mal. Puisque tu sais, puisque tu n'as plus peur, tu es toi-même. Et pour être toi-même, tu n'as pas besoin de penser. Tu es ce que tu es. Et tout est fait d'instant en instant, sans que la pensée intervienne. Que le cœur, une immensité qui coule, une sincérité qui coule et qui n'a pas besoin de penser pour exister.